Ik vind Chantal de Mouffe een belangrijke politieke denker, omdat ze mij geholpen heeft bij twee toch wel belangrijke inzichten. Namelijk ten eerste het onderscheid tussen de politiek, de instellingen, het parlement, de regering, en wat zij noemt het politieke. Wat er van alles gebeurt in de samenleving, actiegroepen, het middenveld. En daarom is het belangrijk te weten dat wij allemaal als burgers vormgeven aan de samenleving. En een tweede belangrijk inzicht is dat zij een mooie definitie geeft van de rol van politieke partijen en democratie. Partijen volgens haar moeten partijdig zijn. Niet in het benoemen van allerlei vriendjes in de sociale of andere overheidsinstellingen, maar wel in het naar voren brengen van een politiek programma, een programma voor de samenleving. En door het feit dat zij verschillende programma's aanbieden, krijg je het georganiseerd meningsverschil dat zo essentieel is voor een levende en levendige democratie. Want als alle partijen, zoals in de jaren 80 en 90, hetzelfde denken over economie, de economie als een soort secundaire religie met de economen als hoge priesters, ja, dan krijg je eenheidsworst. Eén belangrijk, niet alleen nuance, maar uitgangspunt is, het moet wel binnen het kader zijn van wat wij noemen de liberale rechtsstaat. Namelijk dat je aanvaardt dat er minimumnormen zijn waar je best niet buiten valt. Dus in die zin zijn politieke partijen mekaars vijanden niet, ze zijn mekaars tegenstanders. Wat zijn wel de vijanden? Dat zijn de mensen die buiten dat kader vallen. En de voorbeelden zijn zowel in het binnenland als in het buitenland goed gekend. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Uiteraard moet er in een democratie het compromis gevonden worden. Moet er consensus zijn, namelijk over de basiswaarden. Maar laat er alsjeblieft nog van meningen verschillen zolang het toegelaten is. Honorable Rector, Your Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, dear students. We live in times of political uncertainty and distress. The economic crisis that struck 10 years ago has affected the well-being and prospects of a whole generation and has raised fundamental doubts about economic policy and social regulation. Migration pressures are reinforcing a sense of insecurity and are prompting increasingly grim debates about cultural identity and the restoration of national sovereignty. In the meantime, many citizens are losing confidence that our democratic system is able to deal with the challenges we are facing and are turning in ever larger numbers to right-wing populist movements promising redemption on the basis of a new kind of politics. In times like these, political philosophers are called upon to make sense of what is going on. What do the growing feelings of distress tell us about our political order? Is our democratic system still up to its task? Does the rise of populism pose a genuine threat, and if so, what should be our response? In grappling with these daunting questions, we are fortunate that we can rely on the contributions of colleagues like Professor Chantal Mouffe, whom we are honoring here today. Her work helps us to look at things in a different way, points us to phenomena that we might have neglected, and makes us challenge assumptions that are too easily taken for granted. Although her work is rich and diverse, it seems fair to say that her main contribution consists in the development of an agonistic model of politics, which emphasizes that the role of conflict and struggle cannot be eliminated. In the course of the past few decades, her theories have helped to reshape some of the main debates in democratic theory by revealing and targeting the blind spots of established paradigms such as liberalism or deliberative democracy. Her realistic approach to politics provides a welcome alternative to more idealistic or moralizing perspectives and consistently reminds us of the true nature of the political. No,
Politics is not based on a discursive exchange of arguments. It is always a struggle for power. No, politics should not cherish the ideal of a harmonious consensus because political conflicts are always unavoidable. And no, politics is not exclusively based on reason, but always also relies on emotion and affective modes of political identification. A failure to recognize the true nature of politics is not merely a problem in theory. It can severely distort and even undermine the proper functioning of our political system. In her work, Professor Mouffe has warned time and again for the detrimental effects of the depoliticization of politics. The tendency of political parties to seek consensus in the center, which we saw in the 90s, and which blurred the opposition between left and right. Or the processes of market globalization, which reduce politics to a technocratic form of governance for which, supposedly, there is no alternative. The cultivation of these types of politics without conflict is dangerous. Conflict is a constitutive feature of the human condition, and if political struggle is no longer possible within the democratic system itself, the struggle will inevitably emerge elsewhere and turn against the system as such. This is, of course, the deeper cause of the rise of right-wing populism, supported by citizens who feel that the system no longer provides them with an outlet for their grievances and their dissatisfaction. The work of Professor Mouffe has been influenced by many authors, ranging from de Saussure to Lacan, from Derrida to Wittgenstein, and from Gramsci to Foucault. It is testimony to Professor Mouffe's intellectual boldness that she even found inspiration for her agonistic theory of democracy in Carl Schmitt, a radical, some say extremist right-wing thinker who was shunned from the academic community for a long time in view of his affiliation with the Nazi regime. Daringly, Professor Mouffe developed her agonistic model with Schmitt against Schmitt, and explained how the Schmittian antagonism between enemies can and should be turned into an agonistic opposition between adversaries who recognize each other's legitimacy. In her approach, agonistic political forces share a commitment to the principles of liberty and equality for all, but they disagree about the meaning these principles should have. Her view that society cannot have an ultimate foundation implies that each social and political order can always be contested and put into question. Professor Mouffe's publications are remarkable for the clarity and directness of her style of writing, features that are regrettably rare in the philosophical community. This clarity has undoubtedly contributed to the fact that the influence of her work reaches far beyond philosophy. Her theoretical insights are applied and developed in highly productive ways in many branches of the social sciences, from political geography to anthropology, and from political science to communication sciences. At the same time, the work of Professor Mouffe has also found its way to a broader audience outside of academia and has helped shape the international public debate on the future of our democratic system. On the basis of her public interventions in the form of interviews, lectures, and publications for a non-specialist audience, she has become an eminent public intellectual and a source of inspiration for democratic movements around the globe. In conclusion, we would like to remind the audience that Professor Mouffe's academic career started right here, in Leuven in the beginning of the 60s, when she was a student at the Institute of Philosophy of our then still Unitary University. After her time in Leuven, she embarked on an impressive international career which brought her to some of the most prestigious universities in France, in the UK, and in Latin and North America. It is therefore a great honor and an immense pleasure to welcome her back to Leuven today
and to celebrate her groundbreaking achievements in the fields of political theory and her inspirational contributions to the public debate. Om al deze redenen, meneer de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Chantal Mouffe. Professor Chantal Mouffe, KU Leuven is honoring you for your original take on the pluralism of society and for your analysis of the possible dangers of extensive collective thinking, for your contribution to the theory of democracy, and in particular, for your analysis of the democratic conflict as an agonistic struggle between opponents who acknowledge each other's legitimacy. For your critical diagnosis of our current political state and the insights you provide for the strengthening and deepening of our democracy. For your contributions to the public debate and your tireless efforts towards a more dynamic and radical democratic culture in our society. For these reasons, I hereby bestow upon you in my capacity as rector of KU Leuven and on the recommendation of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of this university. My congratulations. Je suis très reconnaissante à l'Université de Leuven, KU Leuven, de me faire ce très grand honneur de me donner un doctorat honoris causa. Mais je dois dire que, à côté de l'honneur que ça représente, c'est aussi une occasion très émouvante pour moi, parce que comme il a été rappelé, j'ai été étudiante ici, à Louvain. J'ai étudié la philosophie de 1960 à 1964. Et ça a été des années très, très importantes pour moi. Ça a été vraiment décisif. Je crois que je pourrais même dire que je ne serais pas devenue la personne que j'ai lue si ce n'avait pas été grâce aux expériences que j'ai vécues ici à l'Université de Louvain. À l'époque, ce n'était pas... Alors, je vais en parler dans un moment. C'était dans la section francophone, hein, donc de 60 à 64. Parce que, bon, c'était quelque chose... L'université extrêmement cosmopolite, j'ai fait des rencontres extrêmement intéressantes qui ont en fait marqué tout mon développement par la suite, parce que grande partie de ma vie académique et personnelle s'est passée en Amérique latine. C'est ici que j'ai fait les premières rencontres à l'université. Dans le milieu latino-américain était très important ici. Et par exemple, moi, j'étais surtout en contact avec un groupe de Colombiens, l'Equipo Colombiano, qui avait été créé par Camilo Torres, le fameux... il était aumônier de l'université de Bogota. Et, bon, je ne sais pas pour... ce que vous savez de Camilo Torres, mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui par la suite est entré dans la guérilla et qui a été tué. Mais enfin, c'est un mythe en Amérique latine, Camilo Torres. Ça, c'est une figure vraiment extraordinaire. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants latino-américains à Louvain et ils étaient tous très politisés. Donc, si vous voulez, je pourrais dire que le foyer de ma politisation, parce que je ne viens pas d'une famille qui me prédestinait particulièrement à être politisée à gauche, mais Louvain a été, alors je ne sais pas s'ils en sont contents ou pas, mais un foyer où on m'a politisé à gauche. Et bon, par la suite, bon, je suis partie...
en passant par d'autres endroits, j'ai enseigné la philosophie en Colombie, à l'Université nationale de Bogota. Donc, c'était déterminant pour moi, les années, au point de vue intellectuel, au point de vue personnel, les années que j'ai passées à Louvain. Donc, je pourrais dire que j'ai une certaine nostalgie de ça, et quand je reviens ici, ça, c'est quelque chose qui m'impacte. Mais, alors, j'espère que vous me permettrez une petite provocation. J'ai aussi tenu un petit serment de cœur quand je reviens ici, du fait qu'il n'y a plus de section francophone à Louvain. Et moi, ça me fait mal au cœur, parce que franchement, je crois que l'université de Louvain, avec ses deux donc, branches francophones, c'était tout de même un symbole important pour la Belgique. C'était là où les deux communautés pouvaient se rencontrer, il y avait des expériences. Et je crois que le fait de la séparation, ben, ça a été un appauvrissement. Toutes ces séparations, c'est toujours, à mon avis, des formes d'automutilation. Et je vous dis ça parce que, pour le moment, moi, je vis en Grande-Bretagne, je suis en train de vivre le Brexit. Alors, évidemment, il y a je ne peux pas comparer la scission qui a eu lieu à Louvain au Brexit, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose de semblable, tout de même. Hein, plutôt que d'essayer de voir comment on va vivre ensemble, on va essayer de créer justement une relation que j'appelle agonistique, parce qu'il n'est pas question de nier les différences. Hein. Il est important, au contraire, de voir comment on va vivre avec ces différences, ne pas les voir comme un problème, et par exemple créer ce que j'appelle dans mon travail un consensus conflictuel. Hein. On est d'accord sur une série de choses, mais on est en désaccord sur les interprétations. Et je crois que, moi je dirais, ma génération, on a raté quelque chose. Parce qu'on a commencé à vivre la Belgique dans sa diversité comme un problème. Moi je me souviens, je disais parfois, la Belgique c'est pas un pays, c'est deux communautés qui ont été mises ensemble, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas, vous savez, le même bon point de vue. Il y avait des grandes différences. C'est plus tellement la même chose maintenant, mais enfin, point de vue religieux, point de vue politique, bon. Et on dit, beaucoup de gens pensaient ça comme ça, en tout cas certainement en Wallonie, qui est la partie que je connaissais le mieux tout de même. Et ça a été une erreur, parce qu'en fait, on aurait pu vivre la Belgique d'une autre manière. Pas le voir comme un problème, mais le voir comme un privilège. Et ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, grâce à un ami, le grand écrivain flamand Stefan Hertmans. C'est lui qui m'a fait comprendre, mais au fond, nous, les Belges, on a vraiment une richesse, un avantage. La Belgique, c'est l'endroit où les communautés, si vous voulez, la culture plutôt, la culture latine rencontre la culture nordique. Et en fait, prenons un terme philosophique, on a une espèce de privilège ontologique en Belgique. Mais on n'a pas du tout vécu ça comme ça. On l'a vécu comme un problème, alors qu'en fait, on aurait pu vivre ça comme une richesse. Je crois que le développement de la Belgique n'aurait pas été ce qu'il a été si on avait vu, s'il y avait eu, disons, un narratif, comme on dit, qui nous disait, mais la Belgique, c'est... Mais ça, ce n'était pas du tout... en tout cas, moi, je parle bien entendu de l'expérience de ma génération, mais ce n'est pas comme ça du tout qu'on l'a vécu. Et en fait, peut-être, je ne sais pas, il y aura des historiens ici qui me diront, mais vous vous trompez un peu, mais pour moi... Je vois un peu la séparation de l'Université de Louvain comme étant le début d'un processus, si vous voulez, centrifuge, qui a fait qu'à partir de ce moment-là, on a voulu avoir plus de séparation, plus de séparation, plus de séparation, pour arriver à un moment où, on dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine de vivre ensemble, tout ça? Mais ça c'est dommage. Moi, je trouve qu'on aurait pu, comme je vous le disais, vivre ça autrement. Mais... Alors là, je vais tout de même introduire quelque chose de positif. Je me demande si on n'est pas arrivé à un moment où justement ce processus centrifuge est arrivé à son terme. Enfin, il ne va pas continuer. En parlant avec le recteur, il me disait, et ça je m'en réjouis vraiment, qu'il y a de plus en plus de collaboration
et de projets communs avec l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc, si vous voulez, d'abord, on se sépare, et puis après, on dit, tiens, tout de même, au fond, il y a des avantages à travailler ensemble. Donc, ça, c'est un petit niveau. Mais je crois que il y a des signes qui nous montrent que, alors, certainement en Belgique, mais pas uniquement, qu'il est important de commencer à collaborer. Et donc, évidemment, ici, j'insiste, il ne s'agit pas de se mettre tous d'accord, hein, parce que, si vous voulez, la grande partie de mon travail, c'est justement dire le consensus parfait, ce n'est pas possible. Mais justement, ce que j'appelle la relation agonistique, savoir vivre avec nos différences, savoir s'enrichir mutuellement à partir de nos différences. Et j'ai l'impression qu'on voit tout de même, il y a des petits signes qui font penser que c'est un nouveau processus qui est en train de commencer. Par exemple, bon, moi je ne vis pas en Belgique, mais d'après ce qu'on me dit, il y a par exemple déjà la question du terrorisme. Si vous voulez, on pourrait dire, il y a tout de même des enjeux aujourd'hui qui requièrent qu'on travaille ensemble. La question du terrorisme, c'est effectivement un. La question du climat, c'en est un autre. Et moi, je me réjouis énormément de ce qui se passe en Belgique pour le moment avec les lycéens. Je trouve que c'est formidable, ce mouvement des lycéens, parce qu'en fait, ça montre qu'il y a une jeunesse qui est en train de rompre avec ce que j'ai appelé, par exemple, dans plusieurs de mes travaux, la pause politique. La pause politique, c'est ce qu'il y a pendant 30 ans sous l'influence de l'hégémonie néolibérale. Il n'y a pas d'alternative. Margaret Thatcher, vous souvenez, elle s'appelait Tina. Alors, there is no alternative. Et pendant 30 ans, ça a été un peu, tout le monde dit oui, il n'y a pas d'alternative. Moi, je crois que maintenant, on est en train de. Il y a une jeunesse qui dit non, mais il y a des alternatives. On va lutter pour les alternatives. Et par exemple, sur la question du climat, je trouve ça vraiment formidable qu'ils réagissent. Alors, peut-être que justement, on est arrivé à un moment où, grâce à cette jeunesse, on va pouvoir entrer dans une autre étape. Alors, je ne sais pas très bien les conséquences que ça peut avoir ici en Belgique, mais j'entends en discutant avec que le mouvement séparatiste en Belgique est tout de même arrivé à un point où maintenant les gens commencent à dire « Oui, mais après tout, il faudrait peut-être se collaborer un peu plus. » Donc peut-être que ce mouvement qui a commencé, à mon avis, avec la séparation de l'Université de Louvain, la scission, ça n'a pas été la cause, bien entendu, mais enfin, ça a été un symptôme, à mon avis. Peut-être que on est arrivé au bout de ce processus, que maintenant on va commencer à avoir un autre processus de rapprochement et que finalement on va pouvoir voir la possibilité, j'insiste de nouveau, pas de créer un consensus sur tout le monde, mais de parvenir à créer ce consensus conflictuel sur cette façon de développement d'une politique agonistique. Et je crois que cette jeunesse, moi j'ai l'espoir qu'elle va pouvoir s'engager dans un processus de récupération et de radicalisation de la démocratie. Je crois que c'est ça mon idéal et la chose que je défends toujours dans mes travaux, c'est qu'il faut, je dis récupération parce qu'en fait, on a beaucoup perdu si on met en relation, par exemple, la situation qui existe aujourd'hui avec celle qui existait avant l'hégémonie néolibérale, donc au moment l'État-providence néo-keynésien, on a perdu beaucoup de choses. L'État-providence a été mis en pièces. Bon, peut-être pas autant en Belgique, vous avez de la chance, que dans d'autres pays. Mais enfin, de toute façon, il y a un processus pour détruire ça. Et peut-être que maintenant, aujourd'hui, justement, il faut d'abord récupérer tout ça pour arriver à un procès de radicalisation de la démocratie. Je crois qu'il y a des signes, et surtout du côté des jeunes, de voir que c'est peut-être le début d'un processus comme ça, et ça, je m'en réjouis. Merci.